Et coucou à tous, salut, c'est Krakot, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte sur la chaîne YouTube sur Watch Dogs Legion. Le jeu est sorti sur le PlayStation Plus Extra au mois de mai, et cette vidéo sort bien sûr au mois de juin, parce que j'ai pas eu le temps de la sortir avant, parce qu'il y a eu pas mal de vidéos. En tout cas, je ne connais pas du tout Watch Dogs Legion, on va le découvrir hein, tout simplement avec vous aujourd'hui. On a le mode classique et le mode résistance. Le mode résistance est plus intense, l'onde est plus dangereuse et Albion veut votre peau. Les combats, la furtivité, le corps à corps, les poursuites sont bien plus difficiles. On va pas faire ça. Mais pas aujourd'hui, on va pas faire ça. On va se concentrer sur un mode plutôt tranquille. Difficulté de la campagne, normal, mort définitif. Non, on ira. Oh, non, 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 ça ira. Ça ira. On va rester comme ça. Commencer le jeu. Voulez-vous commencer le jeu en mode classique? Oui, impeccable. Très, très bien. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Si le contenu vous plaît, le pouce bleu qui fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de réaction ce que vous en pensez tout simplement de Watch Dogs Legion. Alors, tenue partagée, les vêtements achetés dans les magasins. Ok, à chaque fois, j'ai jamais le temps de lire les sous-titres. C'est un truc de dingue, j'ai jamais le temps. Je pense qu'il faut que j'aille beaucoup plus vite, hein. Pour lire. Menu des émotes, communiquer avec les autres joueurs depuis le menu des émotes accessibles via... Non, voilà. Ça va super vite. Ubisoft présente Watch Dogs Legion. On est bien d'accord. Ah, Londres, quelle ville! L'histoire à chaque recoin, et les touristes pour la photographier. Les pubs où coulent la bière et la joie. La musique, le théâtre, les œuvres d'art. Ce mélange de cultures. Et le plus vieux métro du monde, le Tube. La crème des villes, l'élite des capitales. 1200 ans seulement pour sortir de terre, et une seule nuit pour finir en miettes. Quel est notre statut? La sécurité du périmètre est HS, mais on a plein de copains volants. C'est pas vrai. Dalton, il faut faire vite. Oui, chef. J'y suis. On sait contre quoi on se bat cette fois, Bagley? Si vous n'aviez pas filé, je l'aurais su. Avez-vous déjà songé à laisser les autorités gérer de telles menaces? Très drôle, Bagley. Le gouvernement préfère essayer de nous arrêter plutôt que de faire quelque chose d'utile. On va devoir se débrouiller tout seul. Sois prudent, Dalton. Bagley, tu détectes de l'inquiétude dans la voix de Sabine? Demandez à un ordinateur d'analyser les sentiments, quelle bonne idée! Bon, fermez-la et mettez-vous au boulot. Ça y est, j'y suis. Allez, du coup, on est parti. Je vais aller voir dans les options. Très important. Options. Le gameplay. Donc ça, c'était bon. Le mode sprint. Ok. Manette sans fil en ligne. Audio et langue. Donc ça, on a fait aussi. Donc ça, c'est plutôt bon. L'ATH. Ok. Alors, qualité. Ah bah voilà. On va se mettre en mode 60 FPS, je pense que c'est ça. Parce que du coup, j'étais en train de chercher ça, le flou, je désactive, j'aime pas trop. Parce que du coup, je voyais que le jeu, il était pas fluide. Ah, ben voilà! Là, on est mieux! J'adore les jeux quand ils sont fluides, les amis. Je sais pas si vous préférez les jeux fluides, mais moi, je préfère. Alors, enquêter sur la menace pesant sur le Parlement. Donc ça, c'est notre première mission. Il va falloir enquêter. Alors, on est parti pour découvrir Watch Dogs Legion aujourd'hui. Alors, clic droit, ok, clic gauche pour s'accroupir. Derrière l'ennemi. Hop, petit carré. Boum, ça c'est fait. C'est moins agréable pour toi que pour moi. Ok, on ouvre la porte. Fais-toi discret, Dalton, ça nous rendra service. S'ils me tirent pas dessus, je leur tire pas dessus. Ça te convient?
Alors maintenez croix pour enjamber les grilles et escalader les murs ou sauter par-dessus le vide. Comme là en fait. Okay. Alors il est disponible hein, sur tous les supports à part la Switch. Voilà, pour les personnes qui veulent savoir. Pour les personnes qui sont sur PS4 et tout. Hein, il est disponible. Hein. Ok, donc là, peut-être plus la caméra. Non, tu viens pour pirater la caméra. Ok. Ok, là il y a un garde. Amorcer le piège. Non, on va pas faire ça. On va faire ça, tiens. Mais qu'est-ce donc que cela ? Allez, tous en avant. Allez. Bing, boum, bim, boum. Ça c'est fait. Ok, là il y en a un autre là-bas. Ils ont des tonnes de technologies DedSec par ici. Tu crois qu'ils veulent en faire quoi ? Quoi ? Comment ils ont pu mettre la main dessus ? Je sais pas. Mais on dirait bien que quelqu'un veut faire croire que DedSec est passé par là. Merde. Dalton, il faut que tu sois extrêmement prudent. Mm-hmm. Tu peux me dire qui sont ces mecs en noir ? Rien d'identifiable. Je suppose que c'est fait exprès. Pas mal, hein, le petit système furtivité, là. J'aime beaucoup. Tout est branché. Je répète, les feux d'artifice sont prêts. Ben merde, alors. C'est bourré d'explosifs par ici. C'est pas vrai, ces trucs... Bagley, est-ce que... Nitrogène RDX, de quoi raser tout le Parlement. Tu peux localiser un détonateur, Bagley ? Pas tout à fait, mais il y a un appareil qui diffuse une tétrachie de données chiffrées à l'étage juste au-dessus de vous. Ça fera l'affaire. Je vais voir. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, en tout cas, il se bat bien. On va pirater la caméra. Il reste deux ennemis. Il a rien entendu, lui. Ils ont plaqué de la propagande DedSec tout autour des bombes. Ces connards veulent faire sauter le Parlement en se faisant passer pour nous. Pas si on réussit à atteindre le détonateur. Ok, à mon avis, ça va être fermé. Hein. Ah oui, ça c'était presque sûr. Oh bah voilà, un petit coup de savate, ça va plus vite. Dans la chambre des communes. Je sais pas qui sont ces hommes en noir, mais ils ont du culot pour installer ça au milieu du gouvernement. Sympa, hein, ce petit niveau-là. Graphiquement, ça reste vraiment correct. Hein. Surtout pour un jeu qui est sorti en 2020. Donc là, il faut qu'on désactive le détonateur, pardon. Et il se trouve où, lui ? Il y en a plusieurs. Amorcer le piège. Amorcer le piège. Ah ok, ici. J'ai trouvé le détonateur. Et il est bien activé.
Bagley, il va falloir m'aider. Évidemment, mais malheureusement, je suis bloqué. Merde. On n'a aucune chance de s'en tirer sans Bagley. Attends, j'ai peut-être une idée. On s'est entraîné au piratage manuel au service secret. Tu m'étonneras toujours. Allez, dépêche-toi. Allez, Bagley, à toi de jouer. Connecté. Et les bombes viennent tout juste de s'amorcer. Ça risque de compliquer les choses. Non, mais c'est pas vrai. Tu peux les désamorcer? Évidemment, mais je risque d'activer une sécurité et vous finirez en petits morceaux, je vous préviens. Attends-toi à ce que ça attire l'attention de ton côté, Dalton. Ça, je comprends bien. On a de la compagnie à l'arrière. Merde. Dalton, ça commence à chauffer au QG. Combien de temps ça va prendre, Bagley? Cela dépend du nombre de fois que vous allez m'interrompre. Ok, tout le monde. On met les masques, on sort les armes. Ça va devenir tendu. Merde. Ils sont sur moi, je vais essayer de les retenir. On va en voir un. De l'action. Enfin de l'action. Allez, tâchez d'ouvrir l'œil. Allez, je pense que là, ça va être pas mal. Oh oui, de l'action. Je suis à la fois impressionné et exaspéré. Triangle pour recharger, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. J'avoue. J'avance. Bagley, dis-moi que tu y es presque. J'ai passé la sécurité. Maintenant, je cherche la séquence de détonation en pataugeant dans des téraoctets de code en trompe-l'œil. J'ai besoin de renfort. Oh, je l'ai eu. On va récupérer des munitions. C'est bon, il n'y a personne qui revient. Ok. Dalton, problème. J'ai besoin de votre enveloppe physique et vite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois emplacements à gauche. L'un d'eux est le récepteur. Vous devez retirer le fil du contrôleur. Non, mais tu te fous de moi. Je ne me fous de personne. Retirez le fil. Si jamais ce truc explose... Bombe désamorcée. Eh ben voilà, c'était pas si dur. Bagley, espèce de salaud. J'ai failli faire une crise cardiaque à cause de toi. Wow. C'est quoi tout ce que je vois là? Il semblerait que le Parlement ne soit pas la seule cible. D'autres bombes viennent d'être activées. Affiche-moi ça, Bugs. Bordel, on doit tous les avertir. Il faut évacuer tous les bâtiments. Il y en a partout dans le monde. On n'a pas le temps. Ma sœur est à la conférence de la TOAN. On doit faire quelque chose. Je détecte un transmetteur sur le toit qui envoie un signal aux autres sites piégés. Si vous pouviez l'atteindre... Je pourrais tout arrêter. Sabine ? Merde ! Dalton, on nous attaque ! Vite, sur le toit ! Allez, c'est parti. Sabine, qu'est-ce qui se passe ? On nous attaque. C'est un vrai bain de sang. Le protocole exige qu'on efface tout, y compris Bagley. Mais j'ai besoin de lui pour l'émetteur. Je sais. Mais s'ils mettent la main dessus, ils auront accès à tout. Nom, lieu, opération. Ok, on va le faire à l'ancienne alors. Efface-le. Oui, effacez-moi. Sabine, fais vite et pars-toi de là. Merde. Ok. J'en ai fini avec Bagley. Te voilà seule. Dalton, si ça tourne mal... Tout ira bien. On se retrouve au point de rendez-vous. Promis. Bonne chance. Alors maintenant, pour changer d'arme. Oui, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Hein.
Je vais voir ça de plus près. Je te conseille de tirer maintenant. Ok, ils sont tous morts. Aider lors d'une mission capitale. Quelle mission? Tuer des milliers de... Exactement. Sauver le monde. Les Londoniens sont familiers des tragédies. La peste, le grand incendie, le Blitz, peu réjouissant. Mais la destruction est toujours le remède. Zero Day débute. Maintenant. Et bah Watch Dogs Legion, je crois qu'il est mort, hein. Bon, je pense. Pas sûr, mais... Une série d'explosions a dévasté 3 sites londoniens. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux tant que la situation n'est pas stabilisée. Nous n'avons pas pour l'heure de bilan officiel, mais le nombre de victimes... ...de nombreux londoniens sur les 3 sites touchés par ces attaques. En soutien aux familles des victimes, dans un élan de grande solidarité. Toute la ville n'a dorénavant qu'un seul objectif. Le Premier ministre a confié à Nigel Cass, PDG de la société militaire privée Albion, la sécurisation de Londres. Cass a promis une traque sans merci contre DedSec. Le groupe terroriste fait une démonstration de force. Albion a déployé un système ultra sophistiqué d'intelligence artificielle et de drones autonomes pour capturer les derniers membres de DedSec. Un avertissement à tous les insurgés potentiels. La société anglaise affiche des bénéfices records grâce à une efficacité accrue en production et en distribution. Et cela grâce aux technologies développées initialement à des fins sécuritaires. Dans les milieux londoniens, et le taux de criminalité est en chute libre. Paris illégaux, trafic de drogue et prostitution sont en berne suite au procès des responsables des 4 principaux syndicats du crime. Il sera bientôt possible de se promener dans les rues de Camden. Grâce à la prolongation sine die du mandat d'Albion par le gouvernement, la vie reprend enfin son cours normal. Couvre-feu et restrictions de déplacement sont dorénavant levées via le déploiement. Dans certains médias, les émeutes de Trafalgar Square ont été grandement exagérées. Certainement par des fake news propagées sur les réseaux sociaux par des étrangers. Albion tient les quelques perturbateurs. Sur la circulation de fake news, les théories conspirationnistes des sombres recoins d'Internet, prétendant que l'organisation DedSec est accusée à tort pour les attentats, sont fermement récusés. Nos reporters n'ont quant à eux trouvé aucun londonien prêt à appuyer ces théories devant les caméras. Les faits ne laissent absolument aucun doute. J'ai besoin de réunir une équipe. Je peux pas rebooter DedSec toute seule. Allez, piratons le site iOS de Londres pour voir qui est disponible. Ok, donc ça, relancer DedSec, le centre de données de Bloom. Et cette
Maintenez L pour utiliser le profileur sur la roche de nos bottes. Et appuyez sur triangle pour le pirater. Colin, t'en penses quoi ? Alors là, je le contrôle. Ok. On joue une sorte d'araignée maintenant. Je pense qu'on devrait plutôt les fusiller. Tu ne trouves pas que c'est un peu facile de les désigner comme coupables sans même avoir une preuve ? Mais regarde la TOAN ! Regarde notre ville ! Il te faut quoi de plus comme preuve ? Eh bien, Colin, je pense qu'il faut songer à leurs actions non violentes. Albion a envoyé plus de civils à l'hôpital au cours de ces derniers mois que des sectes depuis sa création. Ça sent le coup monter. J'ai maintenant Emily en ligne. Emily, quel est ton avis ? Claire, t'as tout à fait raison. Le gouvernement fait porter le chapeau à DedSec pour faire semblant de maîtriser la situation. À tous les coups, ils ont aucune piste sur ceux qui ont commis les attentats, mais naturellement, ça passe mal aux infos. DedSec est un caillou dans leurs chaussures. C'est les coupables parfaits. Angie, à ton tour. Ah, je suis tombé en bas. je suis tombé carrément en bas. Non, mais c'est bon. Du coup, faut que je remonte alors. Non, la caméra est là. Ok, non, faut que j'aille là. Non, non, faut bien que je remonte là. Donc là, on va passer par là. Ouais, faut bien que je remonte. Eh, comme je suis tombé. Ok, le prochain activé. Et le prochain qui est là-bas. Alors, je vais essayer de pas aller trop vers le rebord parce que j'ai pas envie de tomber encore. Il manquerait plus que ça qu'on tombe et tout recommencer. De rameuter le peuple de Londres. Ok, choisir vos trois premiers agents. Alors, j'en choisisse trois dedans. Donc, véhicule sportif personnel, immunité aux drones chasseurs. Libérer rapidement des coéquipiers. Ah oui, s'ils sont en prison, je pense. Gain des TO après recrutement. Rallier un drone à votre cause. Recharge rapide et piratage. Pistolet mitrailleur auto. Esquive de... Dégâts au corps à corps. Je vais prendre L. Appel un drone. On va prendre 8, tiens. Et ça pourrait être sympa aussi. Oh, arme de corps à corps léger. Un pied de biche. Oh, attendez. Oh, attendez. Cela, j'ai une batte, mais je vais prendre l'autre avec le véhicule. Tiens, là. Voilà, c'est bon. Nous avons nos trois agents. Tu veux toujours soutenir la cause, DedSec a besoin de toi. Je t'envoie les coordonnées de notre dernière planque. On s'y retrouve. D'accord. Donc ça, c'est mon personnage. Mission principale. Localiser l'entrée de la planque. Des mois ont passé depuis les tragiques attaques de Londres.
a changé et DedSec semblait avoir disparu et les opinions sur le groupe sont divisées. Mais il semble qu'un remède de DedSec ait survécu et espère relancer le mouvement. Répondez à l'appel de Sabine et trouvez la planque. Ok, je vais dans les options parce que j'ai vu qu'il y avait de la musique. Alors, la musique, c'est un truc qui est très chiant sur YouTube. On va là l'enlever carrément. J'espère que on l'entendra plus. Tiens, le problème, c'est qu'on a entendu pas mal de musique. Oh là là. Un joli petit bug, là. Ah, c'est bon. Alors. Ah, bah, je suis carrément au sens inverse. Ah, c'est pas là. Ouf. Et par contre, graphiquement, c'est correct, hein. C'est même plutôt beau. Je m'attendais pas qu'il soit aussi joli que celui... aussi joli que ça, pardon. Ok. Bon. Londres, hein. C'est compliqué de rouler à Londres. Ah, faut rouler à gauche. Donc on reste à gauche. Ok, l'objectif. Ouf. L'objectif est pas très loin. Ok. C'est ici. Je pense qu'on va se garer. Allez, on s'en va de là. J'ai téléchargé un patch sur ton optique pour que tu aies accès à notre système de sécurité. Il est conçu pour que je puisse pas faire entrer quelqu'un d'extérieur à DedSec. Tu devras faire la manip toi-même. J'espère que je suis pas tombée dans une secte en mode chelou, là. Je vous préviens, hors de question que je vous donne mon sang. Alors... Utiliser L1 pour faire pivoter les nœuds et boucler le circuit pour résoudre le puzzle. Ah, pas mal ça. Donc là, faut que j'aille là. Non, ça marche même pas. Ok, là. Ok, et là, je le tourne. Ah, c'est stylé ça. Ça, j'aime bien. Franchement. Hop. Allez. Sésame, ouvre-toi. Elle est où la planque là? Elle est là. Wow, c'est tellement classe. Ok, défi principal accompli. Allô, y'a quelqu'un? C'est bon, vous pouvez remettre le courant. C'est à moi de remettre le courant. Empreinte DedSec introuvable. Déclinez votre identité ou je condamne les issues, je pirate votre optique et je lis à haute voix tous les emails que vous avez envoyés à vos ex. Oh là, hey, détends-toi, y'a pas de quoi t'énerver. C'est Sabine qui m'envoie. Sabine est vivante. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis Bagley, l'IA ultra avancée et pas du tout volée, dont le rôle est d'assister DedSec, et je constate que j'ai été hors service pendant plusieurs mois. Bref, si vous me connectiez au réseau DedSec, que je devienne puissant au-delà de votre imagination, pardon, que je rattrape ce que j'ai manqué. Alors, les serveurs, ils sont où? Ils sont où? Ok, on y va. Oh, on a récupéré un masque. Élément de garde-robe. Style un cochon. Voilà,
je suis reconnecté au réseau, je télécharge notre base de données, les actus archives et... Oh non, le groupe terroriste d'EdSec responsable des attentats mortels à Londres. Dalton Wolf est mort. Il suffit que je vous laisse une minute et vous fichez tout en l'air. Bagley, qui s'est arrangé pour qu'on accuse d'EdSec des attentats? Il y a un trou dans ma mémoire après que Dalton... Enfin, soyons honnêtes, après que j'ai désamorcé la bombe au Parlement. Je manque d'infos sur ce qu'il s'est passé après ma désactivation, mais d'après ce que je peux en déduire, un groupe de hackers inconnus répondant au nom mystérieux de Zero Day était de la partie. Je pense que Zero Day a organisé les attaques et fait porter le chapeau à DedSec. Venez à mon terminal. Sabine veut passer un appel vidéo. Alors, faut qu'on contacte Sabine. Sabine Brandt est connectée. Je vous suggère fortement de l'écouter attentivement. Te voilà, je suis trop contente de te voir. Bagley, bon sang que ça fait du bien d'entendre ta petite voix. Ta mémoire est intacte? Loin de là. Le dernier enregistrement est l'assaut de notre QG. Et comme seule piste, un groupe appelé Zero Day. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais le QG a été attaqué par des hommes en noir. Les mêmes que ceux du Parlement. Ils bossent peut-être ensemble. On n'avait aucune chance. Ils ont tiré sur tout le monde. T'es plus solide que t'en as l'air. C'est fou que t'aies survécu. J'ai réussi à fuir par les égouts jusqu'à Camden. Un contact m'a fait sortir de la ville et depuis, je me planque dans le nord. Sage décision. Votre profil est indiqué comme cible prioritaire dans le système de surveillance de la ville. Même une reconnaissance partielle vous mettrait en danger. Tout le monde surdéteste grave DedSec à Londres. Même les anarchistes. Si jamais on apprend que je me suis mise à bosser pour vous... Écoute, si quelqu'un s'y connaît en risque, c'est bien moi. J'ai perdu tout ce que j'ai, et tout le monde. Mais voilà la situation. Londres est dans une spirale de mort. Et si DedSec ne sauve pas la ville, crois-moi, personne ne peut. Londres a besoin d'une résistance. Et elle commence avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? Pis merde, on a une mission à faire. Excellent. Nouvel utilisateur enregistré. Bienvenue chez DedSec. Bien. Ce serait irresponsable de notre part de vous relâcher cul nu dans la nature sauvage. Vous trouverez dans la planque quelques... Alors, amélioration, technologie, point de techno, gadget et armes, équiper une technologie... Indispensable à votre panoplie. Ok, ça c'est tout ce que j'ai besoin... Alors ça, c'est mon personnage qui est là. Donc, elle a une arme. Lui aussi, il a une arme. Lui aussi. Ok. On peut acheter des objets. D'accord. Donc là, c'est quoi? Camouflage. Équivore invisible et permet de sortir du champ de vision des ennemis. Ouais, ça peut être pas mal, ça. On a acheté ça. Du coup, je peux peut-être les mettre là, alors. Eh oui, gadget. On peut en mettre un ici. Et on peut le faire pour tout le monde. D'accord. Ok. Bah intéressant. On va le mettre pour les trois. Pour vous préserver des systèmes de reconnaissance faciale, nous avons une solution high-tech. Cela s'appelle un masque. Et tant que nous y sommes, pourquoi ne pas rafraîchir votre garde-robe? Je veux dire, regardez-vous sérieusement. Ok, ça c'est dans le magasin. Ok, on peut tout changer à partir de là. On peut mettre le masque. Ok, donc le visage, les chapeaux. On peut changer vraiment tous les skins du personnage. La garde-robe. Le masque. Ah, plutôt le cochon. Ils sont très bien, tes nouveaux jouets, mais c'est important de connaître les bases aussi. Tu dois apprendre à mettre des claques et aussi à en encaisser. Si t'arrives devant Albion avec un flingue, ils hésiteront pas à te descendre. Les dégâts collatéraux, il vaut mieux éviter. Chez DedSec, on se sert des armes qu'en dernier recours. Vous connaissez déjà Cody Robinson? C'est la propriétaire du pub et un vieux contact de DedSec. Donc là, j'ai démarré, du coup, l'entraînement. On va commencer avec des coups de base. Frappe-moi, sois pas timide. Tu dois essayer de déjouer ma garde. Allez, trouve le point faible. Appuyez sur triangle pour faire un brise-garde contre le blocage d'un ennemi. J'aurais pas fait mieux. Ouais, c'est bien.
Allez, on utilise ses jambes. Il faut esquiver. C'est ça, continue. Ouais, bien joué. Stylé quand même, hein. Franchement, les combats sont vraiment stylés, vraiment. Cette tarte. Est-ce qu'elle a pris cher, hein? Encore des progrès à faire. La socialisation. Vos coéquipiers sont arrivés. Pourquoi n'iriez-vous pas leur faire un brin de causette? Il faut qu'on parle à l'équipe. Bienvenue dans la résistance. Comment j'ai trop hâte. Oh, ah oui, c'est mes personnages que j'ai choisis du coup. Exploser quelques crânes. Ah oui, c'est mes personnages. Et l'autre, il est là-bas. Salut. Yo, je peux pas croire qu'on soit les Dead Sec. On n'a même pas eu de cours, ni rien. C'est chaud. Bah, c'est trop tard, là. Et je préfère apprendre sur le tas, moi, de toute façon. Maintenant que vous avez bien sympathisé, Sabine a deux mots à vous dire. Bravo l'équipe! Ravi de voir la planque à nouveau bien remplie. La seule façon d'éviter que Londres sombre dans l'oppression totale, c'est de reconstruire la résistance. On doit recruter, former et récupérer notre arsenal. Les gens rêvent de se révolter et de récupérer leur ville. Alors c'est à nous de leur montrer que Dead Sec se bat à leur côté. J'en suis. On doit absolument tout faire pour virer tous ces sales fachos de Londres. Albion a transformé Londres en vraie zone d'occupation. C'est la guerre, quoi, clairement. Faut pas oublier les Kelly non plus. Ils ont beaucoup trop de pouvoir. Je peux pas me les saquer. Je suis d'accord, mais n'oubliez pas que les hackers de Zero Day sont toujours là aussi. Ils ont déjà éliminé Dead Sec et ils risquent fort de réessayer. Je pense qu'ils ont posé les bombes et piégé Dead Sec. Grâce à votre aide, je compte bien élucider ce mystère. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. On arrête de parler et on libère Londres. Voici le premier point à l'ordre du jour. Les services d'intervention et de renseignement des signaux, ou SIRS, ont développé une technologie de surveillance appelée reconstitution en RA. Cette technologie ultra avancée constitue une violation pure et simple du droit à la vie privée, mais elle pourrait nous être très utile pour trouver Zero Day. Alors, on va faire notre première mission, je pense. On a un peu de service après-vente à faire, si on veut se débarrasser de notre image de groupuscule sanguinaire. C'est pas à moi de te dire comment te comporter, mais n'oublie pas que tu représentes Dead Sec maintenant. Alors, mission commencée. Au rapport. Sur la technologie R1, des cires. Ok, faut qu'on aille là-bas. Distraire. On peut lui parler à lui ou pas? Oula. Peut-être pas leur tirer dessus. Pourquoi j'ai sorti ça, moi? Par contre, je sais pas comment on fait. Ah oui, d'accord, ok, comme ça. Hop, ouais. Enlève plutôt ça, ouais. Ah, ajouter recrue. Ajouter un clavier d'ordinateur dans la Tamise. Revolver et recharge lente piratage. Ajouter recrue. Recrue potentielle.
Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? D'accord, j'ai fait comme ça. Ah, ça aurait pu être sympa là, il y a un véhicule. C'est bon. En fait, mon véhicule, il a disparu. Alors, je pense que je peux récupérer un véhicule. Je peux la voler. Allez, c'est bon. Allez, good night. Merci pour ta caisse. Je la rendrai, hein. T'inquiète pas. Alors, en plus, elle va vite. Bon, c'est vrai qu'avec la musique, ça fait un peu plat, le jeu. Mais en tout cas, vous, si vous y jouez, en tout cas, ça fera pas la même chose. Hein. Avec la musique dans la voiture, c'est sûr que ça, que c'est beaucoup mieux. En tout cas, le jeu est vraiment correct. Oh là là. Je m'attendais qu'il soit différent, parce que le Watch Dogs 1, j'avais bien aimé. Le Watch Dogs 2, j'ai pas trop kiffé. Je vous avoue, j'ai pas trop aimé le 2. Parce qu'à ce moment-là, je jouais à GTA, donc c'est très compliqué de jouer à Watch Dogs. Et le Watch Dogs Legion, il a l'air vraiment très bien. J'ai l'impression que, en fait, on fait des recrues dans Londres. En fait, des agents, en fait, sur la DedSec. On aura plusieurs agents, on pourra alterner plusieurs agents. Et s'ils meurent, du coup, on peut en recruter au fur et à mesure. Comme là, mon personnage, qui elle, meurt. Du coup, je pense qu'on aura un autre. Ah, là, j'ai cartonné. On en aura de plus en plus, en fait. Donc en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut recruter au fur et à mesure tout le temps des nouveaux agents. Donc ça va être vraiment bien. C'est ça l'avantage de travailler ensemble plutôt qu'en solo. Ça c'est vraiment bien. Par exemple là. Oh elle carrément. Carrément un fusil à pompe elle. Les munitions apportent des TO, alertent les ennemis proches, ok. Furtivité améliorée. Ok, grenade fumigène, arme de corps à corps. Ok. Accès illimité. Centres médicaux, ça peut être très intéressant ça. Vue d'équipe. Ah voilà, donc du coup c'est comme ça. N'aime pas... Allez, elle aime pas DedSec elle. D'accord. Elle aime pas DedSec, hein. Donc du coup, on va pas la recruter, hein. Si elle aime pas, on l'aime... Ok. Donc du coup, elle, voir la mission recrutement en cours, hein. Carré. Ça, c'est des trucs de récompense. T'as quoi sur elle, Bugs? À en croire son activité en ligne, elle a cherché à pirater le réseau du National Health Service. Putain, déjà que le NHS est sous respirateur artificiel, on n'a pas besoin que des hackers viennent essayer de le saboter. Vous me croyez vraiment incapable de réparer les dégâts causés par un hacker humain? Connectez-moi simplement au serveur de l'un des hôpitaux qu'elle a pris pour cible et je me charge du reste. Je m'en charge. Ok, accéder à la base de données... C'est quoi ce bordel? Qui t'a dit que tu pouvais sortir là? J'y suis. En théorie, une reconstitution en RA devrait me permettre de rejouer les événements passés à partir de multiples données de surveillance. Accéder à un relais de données que je prélève toutes les... Alors ça, c'est la zone interdite, hein. Du coup, on peut pas y aller. Infiltration et tout, ouais. Ok, ok, faut vraiment faire attention. Oui, en finale, il y en a pas mal, là. Ouf, on rentre dedans, on fiche. Oh! Il fallait pas qu'on rentre dedans. Ok. J'aurais peut-être pas dû aller dedans. Non mais laisse tomber. Oh bah ça commence. Hop. Ok, Charlotte, Issa, arrêtez. Ok, changer d'agent. Le truc qu'il faut pas faire. Ok. Donc elle est arrêtée, du coup elle est pas morte en fait. Je crois qu'elle était morte. Ah, parce que du coup, j'ai choisi l'option pas mourir au début. Vous savez, quand le mode un peu hardcore, là, comme dans Diablo, quand vous mourrez, du coup, vous mourrez. Bah, en fait, j'ai choisi un peu le mode classique. Mais vraiment, si normalement, si vous mourrez comme là, je viens de faire, là, donc, du coup, mon personnage, normalement, il est mort. Hein. Il n'est pas en prison. Bah, franchement, je trouve que c'est mieux de jouer vraiment le truc, vraiment, si vous mourrez dans le jeu,
Votre personnage, il meurt définitivement. Je pense que c'est mieux, ouais. Mais franchement, je savais pas du tout, en fait, que c'était basé le style de jeu. Et là, du coup, plus que j'avance, je vois bien que c'est vraiment pas mal, hein, franchement. Le fait qu'on peut changer les agents à tout moment, c'est vraiment stylé, franchement. Donc ça, c'est mon véhicule. Et du coup, les voix, en fait, sont même pas les mêmes. Les voix sont vraiment pas les mêmes et tout, c'est vraiment bien traduit et tout. Donc là, en gros, pour recruter notre personnage qui s'appelle Stéphanie, elle qu'on a vue tout à l'heure, il faut aller faire l'objectif de la mission. Un avocat pourrait réduire la peine de vos agents emprisonnés. Voilà, c'est ce qu'il disait en fait. Le fait qu'on soit arrêté, du coup, il nous faudrait des personnages, un personnage agent pour libérer plus rapidement les agents qui sont en prison. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais la conduite, elle est plutôt pas mal. La conduite du véhicule, ça va, franchement, elle est pas mal. Bon, c'est vrai que ça vaut pas GTA en termes de conduite, mais dans l'ensemble, le Watch Dogs Legion, il est vraiment bien. Vous êtes au bon endroit. Ok. Donc si on est au bon endroit, on peut sortir de là alors, si on est au bon endroit. Par contre, comment on fait pour passer là? Pour moi, le mieux ce serait que le monde explose, et le reste du monde avec. Histoire qu'on parte à zéro avec les chefs de la table. Donc, il faudrait passer par là. Point d'accès. Ah ok, c'est l'autre côté. Il faudrait peut-être passer par le haut, pire. Ah, on a quelqu'un ici peut-être. Pour nous aider. Démarrer le recrutement. Désolé, j'ai un rendez-vous que je peux pas louper. Ouais, mais... Ah bah, d'accord, ok. Il ouvre la porte, mais moi je peux pas. Ouais, ça ne m'intéresse. J'ai compris. Il va falloir peut-être passer quelque part. Hein. Y'a pas d'endroit pour passer là? Bizarre. Non. Des artistes, mais ça ressemble à rien leur meurtre. Ces bâtiments sont super beaux. Pourquoi ils sortent obligés de les courir? Allez, c'est bon, c'est pas la peine de stresser comme ça. Ouais, du coup là je vois vraiment pas comment on fait pour passer là. Entrée. Avancer, gauche, droite, reculer. Ouais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je peux pas contrôler le drone. Livrer. Coursier, parcelle, non ça n'a rien à voir, ça c'est encore des tâches à faire, hein. Rien à voir, ok. Ah, je sais pas du tout comment on fait pour rentrer, je vous avoue. Ah voilà, c'est ça en fait, contrôler. En fait, faudrait que... En fait, c'est ça là. Il faut que je prenne... Et encore, non, je sais même pas si c'est là. Ah, c'est ça là. D'accord, il faut monter là. Il faudrait que j'arrive à monter. Ah, bah là on peut monter là. Ah, ouais, là on peut monter. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu. En fait, ouais, on monte par là. Hein.
Bon, Bagley, qu'est-ce qu'on a là? Il n'y a rien à réparer, en fait. Plutôt que d'élargir les failles du système, on dirait qu'elle les rebouche. On n'a pas affaire à une cybercriminelle, mais à une sorte de dépanneuse justicière. Dis-moi tout. Elle s'est particulièrement concentrée sur les failles concernant les listes de transfert d'organes. Quiconque viendrait à découvrir ces failles aurait un énorme pouvoir sur la liste d'attente. Ah, bah c'est typiquement le truc dans lequel DedSec adore fourrer son nez. Bugs. Le scooter qui part tout seul. Excellent. Faire partie de DedSec est un engagement de tous les instants. Alors j'ai pensé à un moyen d'améliorer un peu l'ordinaire qui en plus colle avec notre mission. Beaucoup de gens sont prêts à payer cher pour qu'il n'arrive rien à leurs marchandises délicates. Certains sont même prêts à vous payer pour faire la livraison. Ah ah! Un professionnel de santé, ça pourrait vraiment nous être utile. C'est mieux que de regarder des tutos pour apprendre à se recoudre soi-même. Donc là, il faut qu'on aille à l'autre point jaune. Il faut qu'on rejoigne Stéphanie, en fait. Ok. Mais vous allez me dire, oui, je roule très très bien. Mais c'est normal, c'est ma conduite. En général, je conduis souvent comme ça. Voilà, là, je voulais me garer, ça va plus vite. Esta, toi. Esta. Tiens. Ah, lui j'avais envie. Hein. Lui, j'avais envie. Oh, j'ai une étoile. Individu suspect signalé dans votre secteur, potentiellement armé et dangereux. Non, je suis pas armé. Je poursuis la cible, à vous. Non, je suis pas armé. Je suis invisible. Ah bah je peux pas la recruter, bah oui. Ah si je reste dedans là. Vous pensez que ça va être bon? Je vais attendre qu'il s'en aille. Jetez un coup d'œil par ici. Genre, ils vont savoir où je suis. Hein. Centrale, on poursuit la cible. À vous. Ok, c'est bon. Merde. Où est passé? C'était quoi ce bruit? Oh, merde. Bon, je vais continuer à chercher. Il n'y a personne ici. Je cherche Centrale, ailleurs. Mettez la cible sur la liste des criminels recherchés. Voilà, c'est bon. Impeccable. Ils savent plus où je suis. Bon, du coup, on va recruter Stéphanie, du coup, au final. Donc tu fais partie de DedSec. C'est génial, ça. Je n'arrive pas à croire qu'on se rencontre enfin. On a vu ton boulot au NHS. T'es pas aussi nul que t'en as l'air? Mais pas assez. Ils sont parvenus à voler des centaines d'organes avant que j'arrive à tout bloquer. Ça craint à mort. Si je pouvais récupérer ces organes, je le ferais. Mais bon, moi, contre tout le clan Kelly, je fais pas le poids. Ok, je vais voir ce qu'on peut faire. Merci. Aide-moi. Et je te revaudrai ça. Notre ange gardien a déjà déniché le QG des trafiquants d'organes. Je vous envoie les détails sur votre optique. Je vais voir si je peux trouver 2-3 infos. Alors, le véhicule de transport d'organes, il faut les récupérer. Donc, j'ai récupéré mon véhicule. Dieu, vous allez bien. Ouais, ça c'est mon véhicule. Bon, vous bougez là. Quand tu veux pas bouger, je t'écrase, bon. Pas que ça à faire, hein. Allez, à fond la caisse. Ça, il n'y a pas de radar dans ce jeu. Je peux passer par là-bas ou pas? Oui. Un raccourci, ça va plus vite. Attention!
j'y suis. Bien, les organes volés devraient se trouver dans une ambulance sur les lieux. Là, c'est le véhicule que vous cherchez. Bah alors. C'est dedans en plus. Ouh yay. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Il m'en reste plus qu'un du coup. Ah lui, il faut attendre 20 minutes pour le récupérer, d'accord, ok. Bon, il m'en reste plus qu'un. Bravo. Donc ouais, il faut vraiment éviter qu'il meure. Hein. Le camarade n'a pas pu finir son opération et devra sans doute en subir une. Merde, j'espère que ça va aller. Ouais. Je peux pas perdre quelqu'un de la team. Ah oh, ouais, je suis arrivé. Bien, les organes volés devraient se trouver dans une ambulance sur les lieux. Ouais, donc sur les lieux, c'est ici, quoi. C'est quoi ça? Ouf, j'espère qu'ils m'ont pas vu. Allez, ça c'est fait. Et ça c'est le ça c'est un radar qui est ici là. Ouais, la caméra là. Je peux pas récupérer sur le point d'accès. Ok, je peux passer par la porte par contre. Ok, il y avait quelqu'un ici. Bah on peut pas passer par là nous. Non. Ah ok, il est là. Le camion. Voilà, c'est ce véhicule. Secteur dégagé. On va le trouver, ce bâtard. Je viens chercher. RS, je vais chercher ailleurs. Pas ouvrir. Il y a un autre qui soit en haut. Oh là, je vais encore mourir, je crois. Ok, du coup, normalement, on a piraté, ça devrait être bon. Il y a un mec ici, là. Non, il y a personne. Non, le point d'accès, en fait... Ah non, il est toujours... Ok.
Ok, là, il n'y a rien. Ah mais le point d'accès devrait être bon là, logiquement là. Non, ils me disent trouver le terminal pare-feu. Peut-être suivre le truc rouge. Ah oui, il faut suivre le trait rouge. Eh oui. Clairement à l'ouest, moi. Voilà. Là, logiquement, normalement. Voilà. Là, on peut ouvrir. On peut prendre le camion. C'est bon, je suis dans la caisse. L'ambulance. Et on s'en va. À moins que vous ne vouliez devenir super pote avec un chien affamé. Merci, c'est ouvert. Allez, on ramène du coup. Ah, puis c'est bien. En plus, on a même un tracé pour ramener les véhicules. Alors, ça, tout ce que je suis en train de faire là, c'est juste pour recruter un agent. Hein. Donc si vous voulez recruter pas mal d'agents, du coup, bah, y aura forcément pas mal de missions à faire. Sans compter la quête principale. Parce que là, du coup, c'est pas la quête principale que je viens de faire. Oh, c'était plutôt pour recruter des agents. Oh, je peux même mettre la sirène. Ça, j'ai toujours voulu faire ça dans un jeu. Oh, lui, je l'ai percuté. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Urgence, urgence, on a des malades. Oh, ils s'en fichent, hein, ils me laissent même pas passer. Ah si, ça va, ils se décalent. Ah, c'est bien fait, si, ils se décalent vraiment. Hein. Ils se décalent, hein. Regardez, ils se décalent bien. Hein. Allez, hop, la poubelle qui vole. Allez, hop, là, on freine. Ouh là là. Par contre, on prend beaucoup les trucs comme les feux, les trucs comme ça, là. Les trucs destructibles sur les coins. Les poteaux et tout, là. Les pancartes. En tout cas, ouais, ça reste vraiment un bon jeu. Hein. Alors, en tout cas, pour ce que je vois, en tout cas, pour l'instant, je trouve que le jeu est vraiment très correct. Hein. Vraiment. En tout cas, j'aime beaucoup ce Watch Dogs. Du coup, on fait comment, là, pour passer ? Passer par l'autre côté, non ? Ah oui. Sens interdit, mais on s'en fiche. On rentre quand même. Et hop là. Et du coup, on a fini. Bien joué. J'avertis l'établissement qu'il va recevoir une livraison spéciale. De votre côté, prévenez notre amie la hackeuse. Ça y est. Bravo. Plus de passe-droit maintenant. Les clients du clan Kelly devront attendre, comme tout le monde. Pourquoi voilà, j'ai mon petit scooter en même temps, là. Tu sais que c'est la seule solution. Oui, oui, oui. Recrutement terminé. Voilà. Eh ben, nickel. Et du coup, on peut changer à tout moment. Donc là, je vais changer. Par contre, c'est vrai que j'ai pris le scooter, on n'entendait pas le scooter, on n'entendait pas le bruit. Alors peut-être que le fait que bah, ils discutaient, je pense. Énorme ! C'est cool que tu fasses équipe avec nous. Il n'y a plus rien qui pourra arrêter DeadSec maintenant. Oui, je suis vraiment contente de rejoindre votre cause. Carrément, ouais. Et puis du coup, elle fait le rôle de l'infirmière. D'accord, ok. Ça, c'est notre skin. Hein. Ça, c'est mon skin. Alors donc du coup on a accès à la tenue, mais je vais l'enlever. Ça veut dire qu'on pourra peut-être réduire la vigilance ennemie dans le centre médico. Ça pourra servir peut-être pour faire des missions, tout simplement pour pas se faire opérer, pour rentrer plus facilement. En tout cas ouais, c'est vraiment, vraiment pas mal le concept qu'ils ont fait. Parce qu'à tout moment, en fait on peut recruter. Là, là je fais... Non, je sais pas ce que je voulais faire. Non, c'est pas ça. J'ai sorti mon arme, c'est pas ça que je voulais faire. En fait c'est ça que je voulais faire.
Je voulais, par exemple, on peut recruter à tout moment n'importe qui, en fait. On va trouver l'intrus. En fait, toutes les personnes qu'on voit, on peut vraiment tous les recruter, à part eux qui n'aiment pas d'être sec. En tout cas, ça, c'est vraiment stylé. Vous voyez tout ce que j'ai pris, là. Donc là, on peut les afficher, par exemple. Et on peut voir après l'émission qui est liée, du coup, à l'agent pour recruter. Par exemple, là, j'ai fait Nancy, là. Et bah Nancy, sympathique pour la dette sec et pourrait rejoindre le groupe, parler lui, pour en savoir plus. Et du coup, on fera peut-être une mission, et bah du coup, pour la recruter. Et au fur et à mesure, on aura de plus en plus d'agents. Parce qu'au cas où, si on prenait la difficulté pour qu'il meure, et bah tout simplement, bah du coup, on pourrait en recruter de plus en plus pour en avoir de plus en plus. Là, du coup, comme j'avais choisi le jeu qui soit plutôt simple, du coup, les agents ne meurent pas malgré qu'on meure dans les missions. Ouais, ils sont plutôt blessés ou arrêtés, la plupart. Voilà, en tout cas, ça reste vraiment très très complet pour Watch Dogs. En tout cas, ça marche bien, ce concept. Je trouve ça marche très très bien. En tout cas, très bonne découverte pour ma part. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé tout simplement de cette vidéo. Si le concept du jeu vous a plu, bah, n'hésitez pas à aller le faire. Il est dans le PlayStation Plus Extra de PlayStation sur PS4 et PS5. Et pour les personnes qui n'ont pas l'abonnement, et eh bien vous avez que la Xbox, bah, je pense que Watch Dogs en ce moment il doit être vraiment pas très cher. Il est sorti il y a 3 ans, bientôt 3 ans. Donc je pense que vous pouvez le trouver dans les 20€ facilement. En tout cas, à bientôt sur une prochaine découverte. Bye bye à tous.